Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanay. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boinet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Amen. Dieu est grand et il est au milieu de nous et on se réjouit vraiment de ces temps qu'on peut passer ensemble dans sa présence. Alors on est vraiment heureux d'être tous ensemble réunis. C'est vrai qu'on a nos habitudes qui changent un petit peu, mais à force on s'habitue de ce que les choses soient différentes dimanche après dimanche. Amen. Voilà, aujourd'hui j'aimerais continuer notre réflexion à propos de la résurrection. La semaine dernière nous avions commencé sur ce sujet et nous avions vu combien la résurrection était une puissance à notre disposition. J'aimerais simplement relire ce passage avec vous de Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 18, enfin la deuxième partie du verset 18, voire même un petit peu en dessous. C'est Paul qui fait une prière pour l'église d'Éphèse, mais je crois que c'est pour l'ensemble de nous, les chrétiens. Et il demande à ce que vraiment nos yeux s'illuminent, que nous comprenions un certain nombre de vérités spirituelles. Et notamment, il dit ceci, que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Quelle parole puissante! Dieu a déployé toute sa puissance en ressuscitant Christ. Et cette même puissance, avec la même force, la même conviction, il veut la déployer pour chacun et chacune d'entre nous, dans la mesure où nous plaçons notre foi en Christ. Amen. Quelle puissance extraordinaire il a fallu pour ressusciter Christ, et cette même puissance, Dieu veut la disposer en notre faveur, il veut nous l'accorder, il veut que notre vie puisse dépendre justement de cette puissance qu'il veut nous donner, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie, pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vit en nous, et que la puissance qui a revêtu Christ, eh bien, soit la nôtre également. On avait pu voir que si nous manquions de vigilance, nos manières de penser, nos comportements pouvaient nous amener d'une manière ou d'une autre à renier cette puissance que Dieu veut mettre à l'œuvre dans notre vie. Nous avions parlé de différents courants de pensée qui avaient atteint l'église de Corinthe, et cela depuis un certain nombre de siècles, puisque c'était les philosophies grecques de l'époque, le stoïcisme en particulier, et aussi l'épicurisme, qui avaient atteint la manière de penser des Corinthiens et du monde grec et romain de l'époque. Et justement, Paul les mettait en garde, si vous mettez la résurrection en cause, soit directement, soit par vos manières de penser, soit par vos attitudes, eh bien, c'est la puissance de la résurrection qui va en pâtir dans votre vie. On avait pu voir un exemple que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte comme des esclaves, avec leur mentalité d'esclave. Ils pensaient comme des esclaves parce que voilà des centaines d'années qu'ils avaient été réduits à l'esclavage. Et qu'il avait fallu que, eh bien, une génération meurt dans le désert pour qu'ils arrivent enfin à quitter cette mentalité, cette manière de penser comme des esclaves pour pouvoir enfin entrer comme un peuple vainqueur, un peuple de soldats, un peuple de conquérants dans le pays de la promesse. Et comme eux, il nous faut accepter de mourir à un certain nombre de nos raisonnements, à un certain nombre de nos habitudes qui sont misérables, qui sont selon les pensées du monde et non pas selon la pensée de Dieu, pour pouvoir vraiment être au bénéfice de la puissance, de la résurrection, de cette vie que Dieu veut manifester dans nos vies, et pour que nous puissions entrer dans ses promesses. Ce qui m'a beaucoup interpellé lorsque j'étudiais ce chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens que nous avons commencé à étudier la semaine dernière, c'est de réaliser que cette puissance de la résurrection, elle n'a pas été seulement manifestée pour notre être intérieur. Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait et il ne met pas cette puissance à notre disposition uniquement pour que notre être intérieur soit régénéré. Mais il est beaucoup question dans les Écritures de ce que cette puissance va aussi être à l'œuvre pour notre corps,
Puisqu'effectivement, ce chapitre 15 des Corinthiens nous parle de la résurrection des morts, de la résurrection de notre corps, de ce que nous allons revêtir un jour, un corps de gloire, et que nous serons changés en la même image de Christ, et que nous, notre corps, et ça c'est l'Apocalypse qui le dit, un jour bien nous serons, nos larmes seront séchées, il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, mais vraiment nous serons dans un corps glorifié comme Christ lui-même a été glorifié, et qu'il s'est manifesté à de nombreux témoins. Je crois que l'objectif de ma réflexion d'aujourd'hui avec vous, c'est de nous amener à réaliser que la puissance de la résurrection doit changer notre vision et nos rapports avec notre corps. Je ne sais pas comment vous voyez, quelle relation vous avez avec votre propre corps, celui que vous avez aujourd'hui. Souvent, on peut avoir des rapports compliqués avec notre corps. Je sais pas vous, quand vous vous regardez dans le miroir, ce que vous pensez, quand vous vous voyez. Mais la réalité, c'est que je crois que la parole de Dieu veut aussi changer notre manière de voir notre corps aujourd'hui. Pas seulement demain. C'est le même principe que la semaine dernière, c'est que la résurrection, c'est pas seulement une puissance qui s'est déployée dans le passé pour ressusciter Christ, et c'est pas seulement une puissance qui va se déployer dans l'avenir pour ressusciter, eh bien, notre corps. C'est aussi une puissance pour aujourd'hui, non seulement pour notre être intérieur, une puissance pour vivre la vie que Dieu veut que nous vivions aujourd'hui, mais aussi une puissance pour changer notre regard et la manière dont nous utilisons notre corps aujourd'hui jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Paul dira à propos de ce corps, dans Romains 7, vous connaissez bien ce passage, Romains 7, à partir du verset 22, il dit ceci, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je sais pas si vous, quand vous pensez à votre corps, vous dites ça. Qui va me délivrer de ce corps de mort? J'en ai marre de ce corps. Et je crois que Paul, quand il exprime cela, il dit une certaine réalité, c'est que notre être intérieur, lui, a été régénéré, nous avons reçu un corps nouveau. Mais notre corps, lui, n'est pas changé aujourd'hui. Nous avons toujours le même corps, malgré le fait que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ. Et Paul dit, voilà, dans mon corps, il y a cette loi, mon corps est attaché à la loi du péché, qui me délivrera de ce corps de mort, ce corps qui me pousse toujours vers cette loi du péché, qui m'amène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et il a raison de parler d'un corps de mort, parce que, en réalité, notre corps, lui, est toujours soumis aux conséquences du péché. Et aux conséquences que le péché produit aussi dans notre monde, à savoir la mort, la maladie, la souffrance et tout ce que nous pouvons ressentir de négatif avec notre corps. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre être tout entier, corps, âme, esprit, sont et seront au bénéfice de la résurrection que Dieu a déployée un jour quand il a ressuscité Christ. Amen. Dieu prend tout notre être en considération, pas seulement notre être intérieur, mais aussi notre corps. Dans la pensée biblique, le corps a son importance. Et c'est ce que j'aimerais déployer un petit peu davantage avec vous cet après-midi. J'aimerais lire avec vous premièrement 1 Corinthiens chapitre 15, donc toujours, mais à partir du verset 50, et on va lire jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 58. Là, il résume un petit peu tout son raisonnement du chapitre, et il dit ceci, voilà. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ».
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. De quelle manière donc la résurrection et ses conséquences pour aujourd'hui impactent notre vie, que ce soit de manière intérieure et aussi dans notre corps? Quelles sont les conséquences aujourd'hui que cette puissance de vie a sur notre corps mortel et corruptible? C'est une bonne question et je crois que on va se réjouir ensemble de ce que la parole nous enseigne. Je crois premièrement que la parole de Dieu nous aide à avoir un rapport avec notre corps qui soit sain. On voit tout autour de nous tout un tas de problématiques liées à notre corps, des gens qui se font du mal, des gens qui idolâtrent leur corps. On voit toutes sortes d'excès à propos du corps. Mais la parole de Dieu nous montre que le corps est avant tout un instrument. Votre corps est un instrument à disposition du Seigneur. Et cet instrument, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est Dieu qui a donné le corps que vous avez. Et le corps que vous avez est unique. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ces réalités, mais un homme de Dieu l'a déjà fait. Il s'appelle David. Et quand il réfléchissait sur son corps, sur la manière dont Dieu créait les choses, il se mettait à louer Dieu. Le psaume 139, ce passage vous connaissez bien. Il dit ceci, psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Si merveilleuse, pardon. Une créature si merveilleuse. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Quelle prière extraordinaire. J'aimerais poser cette question, mes frères, mes sœurs. Est-ce que nous pouvons, nous, peuple de Dieu, nous qui devons avoir une pensée régénérée à propos de notre corps, être capables de reconnaître que quand nous nous regardons dans le miroir, « Seigneur, je te loue de ce que tu m'as fait, une créature si merveilleuse. » Est-ce que vous vivez ça? J'aimerais que nous vivions ça. Parce que souvent, quand on se regarde dans le miroir, on se dit « Oh, j'ai encore des rides, j'ai pris des cheveux blancs, mais j'aimerais être plus comme ceci, je suis trop cela. » Est-ce que c'est pas plutôt comme ça qu'on raisonne en général? Souvent, nous avons du mal à reconnaître ce que David a vu. Moi, je pense pas que David, même si Michelangelo a fait une statue extraordinaire de David, mais la réalité, je pense pas que David était plus que les autres. C'était un homme comme vous et moi, avec aussi ses défauts, certainement physiques. Mais il a été capable de voir au-delà de cette corruptibilité, au-delà de cette mortalité, au-delà de cette humanité apparente. Il s'est dit, mais ce que je suis, c'est quand même une machine extraordinaire, un instrument extraordinaire que Dieu met à ma disposition. Quand on regarde aujourd'hui avec les progrès de la médecine, quelles connaissances nous avons à propos de notre corps, la complexité de notre organisme, on ne peut que dire, mais Seigneur, quelle sagesse extraordinaire tu as déployée pour nous créer. Et chacun de nous, nous sommes différents, extrêmement différents, uniques aux yeux de Dieu. Selon les statistiques américaines, 80% des femmes américaines n'aiment pas leur apparence. 50% des Américains ne sont pas heureux à propos de leur poids. 80% des enfants de 10 ans ont peur de devenir obèses. Et je crois que tous ces problèmes que les Américains mettent en avant aujourd'hui dans leur société sont des problèmes au-delà de l'époque et de leur société à eux. Ce sont des problèmes de toute époque. Je crois que de tout temps, l'homme a eu du mal avec son corps. De tout temps, l'homme a eu un rapport particulier. La manière dont je vois mon corps joue sur la manière dont je vais l'utiliser.
Si je vois mon corps comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pas bien, je vais plutôt avoir tendance à le mépriser. Si je vois mon corps comme quelque chose au-delà de ce qu'il est aussi réellement, je vais avoir tendance à le mettre sur un piédestal, à l'idolâtrer, à être comme un esclave de mon propre corps. Mais je crois que la puissance de la résurrection, justement, doit changer littéralement les rapports que nous entretenons avec notre propre corps. Je crois qu'il y a énormément de choses à dire, je vais essayer d'aller à l'essentiel vraiment, mais à cause du péché, et à cause des effets que le péché produit, à la fois dans nos propres vies, mais dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup de mal à gérer notre corps. Parce qu'il est à la fois un objet de complexe et à la fois un objet d'orgueil. À la fois un moyen de ressentir toutes sortes de bonnes choses et à la fois un instrument par lequel nous ressentons aussi de mauvaises sensations. À la fois la douceur, à la fois la souffrance. À la fois un instrument pour faire le bien et à la fois un instrument pour faire le mal. Mais la puissance de la résurrection, eh bien, avec elle, je peux désormais faire de mon corps un instrument pour la gloire de Dieu. Chose que je ne pouvais pas faire avant d'avoir donné ma vie au Seigneur Jésus. Avant d'avoir donné ma vie au Seigneur Jésus, mon corps était un instrument pour faire le mal. Que je le veuille ou pas, il était livré au péché. Et grâce à la puissance de la résurrection, je peux aujourd'hui entretenir des rapports paisibles avec le corps et l'instrument que Dieu a mis entre mes mains. Même si Paul a dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» il ne s'est pas arrêté là. Vous connaissez la suite de ce texte. Le chapitre 8, où il déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » L'esprit de vie. L'esprit vivifiant dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus sous cette condamnation où mon corps est sans arrêt un instrument pour faire le mal ou pour faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Mais parce que j'ai cette puissance du Saint-Esprit, mon corps peut devenir et doit devenir, par cette puissance, un instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu et pour bénir ceux que Dieu a placés autour de moi. D'ailleurs, toujours dans l'Épître aux Romains, un petit peu plus loin, au chapitre 12, verset 1, qu'est-ce que dit Paul ? « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc Paul développe tout cela, et puis à un moment il dit « Mais voilà, vos corps, c'est un instrument pour Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. » Que vos corps soient un instrument que vous remettez, comme disant « Seigneur, voilà, j'ai utilisé ce corps pour faire des choses qui t'ont déplu. J'ai utilisé ce corps pour pécher. J'ai utilisé ce corps d'une mauvaise manière. Mais Seigneur, maintenant que tu as changé mon cœur, maintenant que tu as mis en moi ton esprit, eh bien, je veux que ce corps serve pour la gloire de ton nom. Je veux que par ce corps, tu bénisses celles et ceux qui m'entourent. Je veux que par ce corps, Seigneur, tu agisses au travers de moi. » Et chaque jour, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Face à nos imperfections, face à nos pulsions, face même à notre attirance pour le péché, nous pourrions être tentés de mépriser notre corps, encore aujourd'hui, en tant que chrétiens. Pensant que finalement rien de bon n'est à tirer de ce corps, puisque de toute façon il est mortel et corruptible, alors à quoi bon ? Mais je crois que même si on peut voir des personnes aujourd'hui se faire du mal volontairement à cause de la culpabilité et de leur souffrance, on a tous entendu parler de gens ou vu des gens qui se scarifient, qui se font du mal volontairement, parce qu'à l'intérieur, ils ne vont pas bien. Mais je crois que les Écritures nous disent qu'il ne nous faut pas, nous chrétiens, mépriser ce corps et cet instrument que Dieu nous a donné. Au contraire, les Écritures nous appellent à en prendre soin. Parce que si nous réalisons que c'est un instrument que Dieu nous a donné, et que aux yeux de Dieu, ce corps est important au point qu'un jour, il va le ressusciter,
Il va le glorifier, alors nous n'avons pas le droit de le mépriser. Colossiens 2, 23 nous dit « Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. » Parfois, des gens d'apparence religieuse avec une certaine forme de sagesse pourraient vous enseigner qu'il faut mépriser son corps parce que les choses de la chair, les choses physiques sont méprisables, elles sont corruptibles, elles sont mortelles et elles ne sont pas de Dieu. Mais les Écritures nous indiquent le contraire. Éphésiens 5, 29 nous dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Vous voyez la comparaison ? Christ prend soin de l'Église comme son propre corps. Et son corps, c'est vous et moi. Et si Christ prend soin de son propre corps, alors nous aussi, nous sommes appelés à prendre soin de notre propre corps comme d'un instrument qui va être utile pour bénir. Nous, le corps de Christ, ne sommes-nous pas utiles, un instrument entre les mains de Dieu pour bénir le monde ? Amen. Et de la même manière, la même échelle, notre corps est un instrument dont nous devons prendre soin pour être utile en tout temps, en toutes circonstances, pour être une bénédiction pour les autres. Parce que si je néglige mon corps, que je n'en prends pas soin, à un moment donné, il va me lâcher. Si je me repose pas, si je ne me soigne pas, si je ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, mon corps, il est corruptible et il est mortel. À un moment donné, il va lâcher. Il faut que je prenne soin de moi. Alors, bien sûr, il est vite fait de tomber dans un certain nombre d'excès, bien sûr. Et il n'est justement pas toujours facile d'avoir une relation équilibrée avec notre corps. Et le monde nous influence énormément à ce sujet et conditionne notre regard et notre pensée à ce sujet. Ces manières humaines de penser nous influencent et nous conditionnent tellement que la manière dont nous regardons les autres est typiquement influencée par cela. Aujourd'hui, tout dépend de l'apparence physique. Déjà, du temps de Jésus, c'était le cas. Hein. Jésus nous dit, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'image. À l'heure où tout doit être beau, toutes les images doivent être retouchées, tout ça doit correspondre à un canon de beauté. Mais Jésus, à toute époque, y compris à la nôtre, à cette époque où l'image compte plus que le reste, est un modèle pour nous. Amen. Est-ce que vous croyez que même dans le domaine du corps et de l'apparence, Jésus est un modèle pour nous? Dans Ésaïe 53, verset 2, il est question de Jésus. Et il dit ceci au verset 2, Ésaïe 53, verset 2, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Entre guillemets, Jésus était comme vous et moi. C'était pas le beau gosse de service. Il n'avait rien pour attirer le regard. Même au contraire, les Écritures nous disent qu'il semblait comme un rejeton sorti de la terre, comme quelque chose de vraiment méprisable, dont on détourne le regard, on ne fait pas attention à lui. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus ne serait pas suivi sur Instagram parce que ce canon, il ne correspondrait pas au canon de beauté d'aujourd'hui. Parce qu'il ne correspondait pas non plus au canon de la beauté d'il y a 2000 ans. Et quelle serait notre attitude vis-à-vis de lui aujourd'hui, nous qui prêtons plus attention aux apparences qu'au reste? Mais Jésus nous montre que dans un monde qui fait plus attention aux apparences que toute autre chose, lui qui n'avait rien pour attirer le regard, eh bien ça ne l'a pas empêché d'être une source de bénédiction pour des milliers de gens. Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il avait à faire avec son corps, pour bénir l'humanité tout entière. Lui qui n'avait rien pour attirer le regard, eh bien, a malgré tout utilisé son corps comme un instrument à la gloire de Dieu, et il est même allé très loin puisqu'il a offert son corps sur une croix pour nous sauver tous et nous arracher au péché. Quel exemple extraordinaire. Donc peut-être tu te dis, mais moi je n'ai rien, je suis pas beau, et quand je me regarde, je me trouve trop gros, ou trop petit, ou trop maigre, ou je sais pas quoi. J'aimerais te dire, Jésus, il sait ce que tu penses. Lui, selon les caractères humains, il n'avait rien pour attirer le regard. Mais ça ne l'a pas empêché d'être une bénédiction. Ça ne l'a pas empêché de prendre soin de son corps et d'utiliser son corps pour bénir l'humanité tout entière. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas Jésus. Et nous ne sommes pas appelés à bénir l'humanité de tout temps, de tout siècle, de toute époque, de toute génération.
mais nous pouvons bénir notre génération. Nous pouvons bénir avec cet instrument que Dieu nous donne. Parfois, nous pourrions être tentés aussi de laisser notre corps nous diriger, nous dicter par les sensations qu'il nous procure. Comment vivre, comment réagir aux situations par lesquelles nous passons. La parole de Dieu nous invite certes à prendre soin de notre corps, mais aussi à savoir le discipliner. Paul écrira aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Notre corps est un bon instrument si nous le tenons comme tel, mais si nous le laissons être maître, nous dire comment ressentir, comment penser, comment réagir, alors il devient un très mauvais maître. Il nous faut le tenir assujetti. Jésus lui-même nous enseignera de ne pas laisser les préoccupations du monde, y compris celles de notre corps, nous obséder. Dans Matthieu 6, 25, il dira « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et les préoccupations du corps d'aujourd'hui sont pléthores. Aujourd'hui, on a des inquiétudes de mode, d'être à la mode, d'être bien habillé. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que ça doit pas être notre préoccupation première. Jésus nous enseigne dans ce passage de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné par-dessus. Le corps peut nous amener dans des excès, bien entendu, s'il devient notre maître. La Bible nous enseigne que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il doit être un instrument consacré. C'est pas n'importe quel instrument, c'est un instrument dans lequel Dieu a placé sa puissance. Son esprit, qui est un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci, Paul, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Ce qui est dit là est très important. Notre corps est un instrument que Dieu nous laisse à disposition, mais nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés. Autrefois, nous étions dans l'illusion que nous étions notre propre maître. Notre orgueil nous aveuglait. Mais Christ est venu, il a changé notre manière de penser, il a donné un corps nouveau. Et maintenant, nous sommes conscients que c'est à Christ que nous appartenons. Et notre corps aussi appartient à Dieu, et c'est à lui qu'il doit être consacré parce qu'il a mis en nous sa sainteté, son esprit. Notre corps devient membre du corps de Christ et à ce titre, il ne peut plus servir pour la débauche. C'est ce que Paul développe un petit peu plus haut dans ce passage. Ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il dira, Romains 6, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. J'aimerais te poser cette question. Es-tu prêt aujourd'hui à te réconcilier avec ton corps et à le soumettre à la volonté de Dieu afin qu'il devienne un instrument de justice, de bénédiction pour beaucoup? Amen. Mais j'aimerais aller plus loin dans ma réflexion encore. J'ai encore quelques minutes devant moi. Comment glorifier Dieu quand je souffre dans mon corps? Quand celui-ci n'est pas en bonne santé? Quand il est faible et misérable. Parce que oui, c'est facile de le dire quand le corps est en bonne santé, quand tout va bien. Mais quand il souffre, quand il ne va pas bien, comment avoir la force de glorifier Dieu avec notre corps? Avant de développer encore cette pensée, j'aimerais affirmer certaines choses. Je crois que, avant tout, Dieu peut et veut renouveler nos corps. Amen. Il sait qu'ils sont corruptibles, il sait qu'ils sont mortels, il sait qu'ils sont fatigables et qu'ils sont fragiles. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, il y a cette promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen.
Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Pourtant, c'est dans ces âges-là où on est censé être le plus fort, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'âge pour ressentir la faiblesse, ressentir la fatigue, ressentir comme une défaillance dans nos corps. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. C'est une promesse pour vous et moi. Il est aussi celui qui guérit les corps. Je m'attendais à un amen. Est-ce que vraiment vous êtes convaincus de ça? Dieu guérit les corps encore aujourd'hui. Ésaïe 53, versets 4 et 5, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Psaume 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Dieu est celui qui guérit. Il est celui qui relève et il est celui qui guérit. Mais parfois, on aurait tendance à dresser un portrait des choses trop positives. Où il y aurait systématiquement la guérison, où systématiquement la souffrance disparaîtrait dès qu'on invoque le nom du Seigneur. Moi, je crois que ce serait vous induire en erreur que de dire ça. Je crois que parfois, Dieu permet aussi la souffrance, y compris dans nos corps. Parce que par elle, eh bien, il peut nous permettre de grandir et nous amener à la ressemblance de Christ. Il nous éprouve. Paul lui-même a appris beaucoup au travers de ses souffrances. Paul est un homme qui a beaucoup souffert dans son corps. Il a été battu, maltraité. On l'a lapidé. Il est passé par les naufrages, par les coups de fouet, par l'emprisonnement. Et vous savez comme moi que l'emprisonnement à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le matelas, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le sanitaire. C'était au fond d'une cave, dans le noir, avec des chaînes et peut-être pas sûr qu'il y a à manger, avec les rats et tout ça. Et pourtant, il dit ceci, 2 Corinthiens 12, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit !» Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'ensemble des commentateurs ne s'accordent pas forcément pour trouver la raison pour laquelle, en tout cas, quelle était cette écharde dans la chair de Paul. La plupart des gens pensent qu'il s'agit effectivement des blessures qu'il a héritées de tous ces combats et ces luttes qu'il a eues quand il a été rejeté, combattu par les Juifs. D'autres pensent que il a gardé des séquelles de cette rencontre avec Christ quand il a eu des écailles et que il a gardé comme une difficulté dans sa vision. Et ils appuient cette interprétation par le texte où Paul dit « Voici, c'est moi qui l'écris de ma propre main » comme pour prouver que son écriture était différente de celle qu'il écrivait pour lui, parce que la plupart des lettres qu'il a envoyées, ce n'est pas lui qui les a écrites, mais quelqu'un d'autre. Comme si, voilà, il était encore un peu handicapé avec ses yeux. Mais peu importe le type d'écharde qu'il avait dans sa chair, ce qui est important de noter, c'est que elle occasionnait de la souffrance dans sa vie. Et que, à plusieurs reprises, il a demandé au Seigneur de la lui retirer. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et Paul même va dire, mais maintenant je me réjouis de cette souffrance, parce que quand je passe par ces choses, eh bien, c'est la puissance de Dieu qui est manifestée au travers de ma vie, et la souffrance et la faiblesse que je subis dans mon corps n'est plus un obstacle pour l'expression de la puissance de Dieu au travers de ma vie, au contraire.
Paul va utiliser une image dans un autre passage de l'Épître aux Corinthiens pour nous aider à mieux appréhender ces vérités que notre chair ne veut pas et ne peut pas comprendre. Ce que Paul nous explique là, dans ce que je viens de vous lire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec la chair. Parce que la chair ne peut pas et ne veut pas comprendre les réalités spirituelles. Et encore pire, c'est qu'elle ne veut pas souffrir, tout simplement. Paul exprime ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Il l'exprime par une image où il dit « Dieu a mis son trésor dans des vases d'argile. » Dieu a mis son trésor dans des vases d'argile. Verset 7 donc du chapitre 4 de 2 Corinthiens. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Cette image, elle nous enseigne que nous sommes fragiles comme des vases d'argile. Qu'il ne faut pas grand-chose pour que ce vase se casse, qu'il soit brisé. Et notre corps est exposé à bien des occasions de souffrir, car notre monde est impacté par les conséquences du péché. La maladie, la souffrance, la violence, le rejet, tout ce que nous connaissons aujourd'hui est le fruit du péché qui a impacté notre monde. Mais ce que Paul veut enseigner ici, par son propre exemple, c'est que si notre vase refuse d'être brisé, alors le trésor ne peut pas être relâché. Comprenez ce que je dis ? Si le vase refuse d'être brisé, si nous refusons la souffrance, que nous laissons notre corps nous dire « Non, je ne veux pas souffrir, je refuse cette souffrance et il ne se passera rien d'autre », eh bien c'est comme si nous, en le laissant faire, nous empêchions la puissance de Dieu de se manifester au travers de nous. Mais si par la foi nous acceptons que ce vase pour un temps soit brisé, alors nous permettons que la puissance de Dieu soit manifestée au travers de nous. Et c'est ce que Paul dit, il dit, mais voilà, nous passons par des moments difficiles, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, notre corps passe par des temps difficiles, oui, peut-être il y a la souffrance, peut-être il y a la maladie, peut-être il y a les coups, mais notre être intérieur, lui, il ne se détruit pas. Si nous rejetons les souffrances, les moments difficiles, que nous les laissons nous maintenir dans la peur, si nous laissons notre corps nous dicter comment réagir à la souffrance, à la maladie, à l'épreuve, aux difficultés, alors c'est sûr qu'elle nous empêchera de laisser se manifester le trésor que Dieu a placé au-dedans de nous. Et c'est pour cette raison que Paul continue au verset 16 de ce passage où il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Et même si notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il peut dire ça parce qu'il est dans la perspective de la résurrection. Il sait que le corps qu'il a est un corps mortel, un corps corruptible, et que ce que le monde peut faire et impacter sur son corps n'est que temporel, n'est que limité, et que même si à un moment donné le monde lui retire son corps, il ne peut rien faire sur son homme intérieur. Et que même si le monde détruit son corps, un jour Dieu lui rendra un corps glorifié. Comprenez ? C'est que tout se passe dans la perspective de l'éternité. Et j'aimerais te dire, peut-être aujourd'hui tu souffres dans ton corps, tu souffres parce que tu es rejeté, tu souffres à cause de ta foi, tu souffres à cause de la maladie, je ne sais quoi d'autre. Ne laisse pas la souffrance te dire comment agir, comment te conduire, mais même malgré la maladie, malgré ta souffrance, malgré ce que tu vis aujourd'hui, laisse ton corps être un instrument entre les mains de Dieu afin qu'il puisse, au travers de ce corps qui est comme brisé, relâcher la puissance
et impacter le monde autour de toi. Paul dit ceci, après avoir parlé de détresse et de choses quand même difficiles, il dit « car nos légères afflictions ». Nos légères afflictions. Pourquoi il parle de légères afflictions? Il ne minimise pas ce qu'il vit et la difficulté de ce que cela représente pour son corps. Mais il dit, mais mes souffrances d'aujourd'hui ne sont rien en comparaison des souffrances que Christ a pu subir pour vous et moi. Et ce ne sont que de légères afflictions parce qu'elles ne sont que temporaires. Parce que liées à notre temps d'aujourd'hui, mais viendra un temps où notre corps sera libéré de tout cela. Et nous pourrons nous réjouir pleinement dans la présence de notre Dieu. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, nous ne regardons pas seulement au temps présent, nous ne regardons pas ce que nous allons perdre aujourd'hui, nous ne regardons pas ce que notre corps peut avoir mal aujourd'hui. Donc non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Parce que nous savons que ce corps un jour sera changé, que les souffrances ne sont que temporaires, que ce trésor est bien plus important que ce vase de terre. Alors, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de laisser ce trésor être relâché parce qu'il peut impacter tellement de gens autour de nous. Cette espérance et cette vision que nous donne la résurrection nous permet de pouvoir offrir nos corps au Seigneur afin de le glorifier, que je sois en bonne santé ou que je sois malade, que je souffre dans mon corps ou que tout aille bien, je peux offrir mon corps au Seigneur pour le glorifier. Amen. J'aimerais conclure en disant ceci, le Seigneur n'en a pas rien à faire de ton corps. Le Seigneur n'ignore rien des souffrances par lesquelles tu peux passer. C'est un instrument qu'il a placé entre nos mains. Est-ce que nous sommes prêts cet après-midi à dire, Seigneur, oui, je veux que mon corps soit un instrument entre tes mains. Je veux qu'il soit utile pour bénir le monde qui m'entoure. Christ a accepté de s'offrir tout entier, d'exposer son corps même à la souffrance la plus extrême, à la mort, pour que nous puissions être bénis éternellement. Et parce qu'il nous a montré le chemin, nous pouvons nous aussi supporter la souffrance, les outrages de ce monde, tout en sachant que dans ce chemin, sur la terre, eh bien Dieu peut et veut guérir, renouveler, fortifier nos corps qui sont exposés à bien des tracas et bien des souffrances. Qu'en tout temps, vraiment, nos corps soient un instrument à la gloire de Dieu, et quand nous prenons cette décision d'offrir ce corps, quel qu'il soit, entre les mains du Seigneur, alors je ne serai pas déçu, parce qu'alors tout mon être est dédié au Seigneur. Esprit, âme et corps, tout entier pour le Seigneur. J'aimerais terminer ce temps de partage par un temps de prière. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'approcher. J'aimerais qu'on prenne le temps cet après-midi, quelques minutes, pour prier pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps. Moi, je crois que Dieu veut renouveler des corps aujourd'hui. Dieu veut bénir aujourd'hui. Dieu veut ressourcer aujourd'hui. Amen. Alors, j'aimerais inviter l'équipe pastorale à me rejoindre et vous qui avez besoin, qu'on prie pour vous, venez, approchez-vous, on va ensemble prier pour vous, on va invoquer le nom du Seigneur Jésus et on croit que Dieu peut renouveler vos corps fatigués, vos corps malades, que le Saint-Esprit, qui est un esprit de puissance, peut agir maintenant dans vos corps. Amen. Et j'aimerais aussi vous inviter, peut-être vous qui n'avez pas forcément besoin de la prière pour vos corps malades, mais parce que vous êtes en bonne santé. Si vous avez ce désir d'offrir vos corps comme un instrument pour le Seigneur, eh bien simplement levez-vous à votre place et faites cette prière avec nous de dire « Seigneur, je m'offre à toi. Je veux que ce corps soit un instrument de bénédiction pour toi. Je veux que ce corps, Seigneur, puisse bénir la génération dans laquelle tu m'as placé. »
Aide-moi, Seigneur, à te bénir. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversaillesclagny.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.